il y a des larmes qui ne cessent de couler, des vides qui ne se comblent, des souvenirs qui ne s'effacent et des personnes qu'on ne remplace. Ce n'est pas un adieu, seuls nos mains se séparent, nous allons nous revoir. Les familles Lonkana, Dissombo et Mbola Ferdinand commémorent les leurs à travers une journée d'hommage. C'était le 3 juillet 2021 au village Lokbababassa, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Trois temps forts ont marqué cette journée. Le dépôt des gerbes de fleurs dans les différentes tombes, un culte d'action de grâce en la mémoire des disparus et une réception pour clôturer cette journée. De ne pas garder leurs souvenirs
et leur monde en oubli. C'est pourquoi nous révélons ici et maintenant à ta présence et dans tes saints lieux ce nom qui représente des emblèmes pour nous. Pour le chef de la famille, Imbola Ferdinand, cette commémoration avait un objectif bien précis. Honorer les mémoires de leurs grands-parents, de leurs parents. Nous, aujourd'hui, on est fiers de l'avoir fait en ce moment parce qu'on a pensé ça depuis, mais le moment n'était pas encore choisi. C'est Dieu qui donne ces rendez-vous. Tout ce que je peux dire, c'est que nous restions dans le même élan d'amour. Parce qu'avec l'amour, on peut faire beaucoup de choses. Dissombo Imbola André, Imbola Ferdinand, Ebole et Paul Louise, Ewonje Imbola Odette, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Nous sommes
Kanabikita, là, nous bandits savent na loba. Onyola sango elongi, la funga ou Bouddha Inyanyo, Nyaïdiba, Nyenge Madabu. Allo Balam, allo Balam. Nous avons dit que 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 nous Mopende asungua omese Kimbi nongowa ojia lagu Na oje bunda buchansi Bunda buchansi Watite Udina la Yesu Kristo ndi matane no Na Yesu ndi makwa no Na Yesu ndi no dundo Nangana musango Momene inawa Ike usa banabongo Ama jele wa Namdia mongo mese Amen Thank you.
Seigneur de tout le monde, et tu nous bénissons, Père, à ce jour où nous sommes réunis en mémoire de nos parents, de tout ce qui était cher pour nous dans cette famille et nous-là. Nous pensons ici et maintenant au grand-père de Soumbo et Moula André, au père Moula Ferdinand, à notre mère chère et Molle Paul-Louise, et surtout à celle qui nous a quitté très tôt, et Moula et Moula peut-être. Et que ton nom nous donne la grâce de ne pas garder leurs souvenirs et leurs noms dans l'oubli. C'est pourquoi nous révélons ici et maintenant, à ta présence et dans tes saints lieux, ces noms qui représentent des emblèmes pour nous. Une fois de plus, Père, aujourd'hui, comme au jour de leur naissance, nous sommes réunis pour réaffirmer notre foi à la résurrection et nous confier à toi. Et surtout la confier à toi pour que tu sois au-devant de tout, parce qu'ils ont eu à être avec nous par grâce et par ta grâce. Toi qui as ressuscité ton Fils, qui nous promet la résurrection, tu n'oublieras pas papa de Soumbo et Moula André, papa et Moula Ferdinand, maman et Paula et Paul Louise, et notre sœur et Moulinier. Qu'ils étaient ces enfants qui ont été marqués par le sceau de ton amour. Le corps et le sang de ton Fils ont nourri et élevé tout un pâturage, mais toi, tu nous as nourri par Saint-Jean. Fortifie donc à cette occasion, Seigneur, notre foi devant les difficultés de la vie, devant ce que nous avons traversé, et le risque de l'angoisse, de la peur et de l'espoir devant la mort. Donne le courage de nous recevoir. Et surtout ici aujourd'hui, la pleine de ta foi, pour savoir qu'ils sont appelés par toi quand ils sont appelés par toi. Donne-nous toujours d'espérer contre le désespoir, car nous nous confions à toi et nous nous confions à toi. Et à toi, Seigneur, Seigneur, notre Seigneur. Amen. Yeah.
est dans le Seigneur. Il nous a appelé ce matin, pour cette circonstance, de regarder et de réfléchir tous ensemble sur ce petit texte de Jean, de l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 35. Jean, chapitre 11, verset 35. Mais avant de lire, prions d'abord le Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, toi qui nous permets ce matin de contempler d'un œil nouveau tes merveilles à travers cette occasion, et tu nous donnes de penser à ce que tu as rappelé à toi. Loué sois-tu qui intervient à chaque instant dans nos vies, dans la vie de tous ce que tu as créé, et dans notre vie, nous qui suivons encore pour nous donner un sens. Nous tournons donc maintenant nos cœurs et nos voix vers toi pour célébrer cet instant à travers ta parole. Donne-nous la joie de demeurer dans cette excellence, Seigneur, que notre cœur ce matin tourne vers toi et qu'il ouvre nos oreilles. Fais donc taire en nous tout autre bruit, que nous soyons uniquement à l'écoute de ta parole. Amen. J'ai trouvé à Papa Mbola la chorale. C'était un choriste qui était très engagé, toujours prêt. C'était l'un des choristes de la première heure. Donc, et ceux qui ont chanté bien longtemps avec lui, le témoin jusqu'à présent, il était toujours prêt. Papa Mbola faisait partie d'un groupe de nos parents qui étaient réguliers à la chorale, qui n'arrivaient jamais en retard. Et ils avaient leur banc où ils s'asseyaient eux tous. J'ai chanté dans la même voix qu'eux. Et ils aimaient la chorale. C'est ce que je peux dire en gros. Et à la sortie, ils allaient ensemble, ils allaient prendre un petit pot. Un homme d'une humilité exemplaire. Quand tu lui faisais même quelque chose, il te pardonne. Mais je suis fier parce que la révolution commence comme ça. L'un de ses enfants a dû penser qu'on pense à lui. Parce que quand ils sont là-bas au monde des morts, ils vont, l'Esprit de Dieu va les réveiller. Donc je souhaite que, sur le message, je souhaite seulement que les enfants emboîtent ce pas, qu'ils ne lâchent pas. Ils ont tendance parfois à reculer, à venir, à reculer. Ils ne sont pas réguliers. Je lance un appel pour eux, pour que ce que papa a montré comme le chemin, qu'ils suivent ça.